Bonjour à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le dimanche 7 novembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI, a confié au Seigneur l'année scolaire 2021-2022 des élèves et étudiants de la paroisse. Ce, au cours d'une messe présidée par le Père Franck-Emmanuel Kissi, aumônier des jeunes et des enfants et concélébré par le Père Élisée Kofi de la Société des Missions Africaines, SMA. Le point dans un instant. Ce mercredi 10 novembre, au cours de son audience générale qui s'est déroulée dans la salle Paul VI du Vatican, le Saint-Père a conclu son cycle de catéchèse sur la lettre aux Galates. Aussi, il a souhaité que les chrétiens réveillent le Christ dans leur cœur face aux difficultés. Bienvenue à toutes et à tous. Le dimanche 7 novembre dernier, une messe a été dite à l'intention des élèves et étudiants de la paroisse Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI, afin de confier au Seigneur l'année scolaire 2021-2022. Elle a été présidée par le Père Franck-Emmanuel Kissi, aumônier des jeunes et des enfants, et concélébrée par le Père Élisée Kofi de la Société des Missions Africaines, SMA. Un reportage de Landry Abois, commenté par Maria Bissier. Paroisse Saint-Timothée de Yopougon, cité EECI. Le dimanche 7 novembre dernier, une semaine après la rentrée pastorale paroissiale 2021-2022, les fidèles ont encore célébré un autre événement. Il s'agit de la messe de rentrée des élèves et étudiants de la paroisse, de tous les niveaux, en grande majorité vêtus de leur tenue scolaire et estudiantine, ont pris d'assaut l'église paroissiale qui s'est avérée trop petite pour l'occasion. Cette célébration eucharistique présidée par l'aumônier des jeunes et des enfants, le Père Franck-Emmanuel Kissi, est concélébrée par le Père Élisée Kofi de la Société des Missions Africaines, SMA, a débuté à 10h30 et a duré un peu plus de 2 heures d'horloge. Après la proclamation de l'Évangile, le Père Emmanuel Kissi, dans son homélie, a mis un accent particulier sur les réalités de la jeunesse, tout en faisant usage d'un langage s'apparentant à l'argot ivoirien pour mieux se faire comprendre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, un enfant de Dieu là, il n'est jamais guéri. Un enfant de Dieu est toujours. Il n'est rien entendu. Il est toujours. Très bien. Un enfant de Dieu est toujours premier. Donc dites-vous que moi là, cette année-là, je vais prier. Faut dire ça. Il n'y a rien entendu. Moi là, cette année-là, je vais prier de ma classe. Très bien. Tu as parlé de Dieu. Hein. Si tu es dernier là, tu as dissoué le Seigneur. Si tu es dernier là, c'est que tu n'as pas tenu ta promesse. Parce que c'est une promesse solennelle que nous avons prise à l'église pour dire que moi là, je vais être premier de ma classe. Et je le répète encore, enfant de Dieu, on n'est jamais dernier. Si tu es dernier, c'est que vous te revoir. À la fin de la messe, les élèves, étudiants et membres du système éducatif ont reçu la bénédiction des mains du Père célébrant. Donc, c'est que le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, regarde tes enfants qui ce matin sont venus à l'être ce que tu leur as donné. Tu les vois, tu les connais, tu vois ces enfants, tu t'y lèves. Ils attendent, Seigneur, de toi, pour recevoir de toi ta bénédiction, béni de ton père. À toi, Père, Seigneur, la grâce, la force, l'intelligence nécessaire afin de réussir cette année scolaire. Que, Seigneur, que par ton soutien, qu'il soit meilleur, excellent, et que ta bénédiction se répande abondamment et constamment dans leur vie. Nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Avant le renvoi, la parole a été donnée à Madame Sekongo du ministère de l'Enseignement supérieur pour prodiguer quelques conseils autant aux enfants, aux jeunes qu'aux parents, afin que cette année scolaire nouvelle se solde par la réussite totale à tous les examens et concours. L'éducation, c'est la boussole. L'éducation, c'est l'orientation. Tout enfant qui écoute les conseils des parents, qui écoute les conseils du prêtre, qui écoute les conseils du maître, réussira sa vie, réussira la vie scolaire.
Au Vatican, lors de l'audience générale de ce mercredi 10 novembre 2021, le pape François a conclu sa catéchèse sur la lettre aux Galates. Le dernier enseignement apporté sur l'extrait de la lettre aux Galates, chapitre 6, versets 9 à 10 et 18. Le souverain pontife a commenté la manière dont saint Paul annonçait l'évangile et ce que son témoignage peut susciter en chaque chrétien, à savoir l'enthousiasme et la conscience de leurs limites, qui rend nécessaire le soutien du Seigneur. La parole de Dieu est une source inépuisable. Dans cette lettre, l'apôtre Paul nous a parlé en évangélisateur, en théologien et en pasteur. Le saint évêque Ignace d'Antioche a une belle expression lorsqu'il écrit « Il y a un seul maître, lequel a parlé, et ce qu'il a dit s'est réalisé, mais les choses qu'il a faites en silence sont dignes du Père. » Celui qui possède la parole de Jésus peut aussi entendre son silence. Nous pouvons dire que l'apôtre Paul a su donner voix à ce silence, le silence de Dieu. Ses intuitions les plus originales nous aident à découvrir la nouveauté bouleversante dont recèle la révélation du Christ. Il a été un véritable théologien qui a contemplé le mystère du Christ et l'a transmis par son intelligence. La COP26 a démarré il y a une semaine et elle aura été celle des premières annonces sur fond, évidemment, des négociations puisqu'il s'agit de revoir à la hausse l'accord de Paris de 2015, marqué aussi par la pression des défenseurs de l'environnement. À Glasgow, les symboles viennent rappeler aux dirigeants de la planète qu'il est temps de tenir leur engagement. On en sait davantage avec Maria Bissier. Sa silhouette a été vue pendant 4 mois dans plusieurs villes d'Europe. Amal, la marionnette géante, représentant une jeune réfugiée syrienne, est arrivée à la COP26 pour ouvrir l'événement Gender Day. Son objectif, sensibiliser le public à l'égalité des sexes face aux conséquences du changement climatique. Genre et climat sont intimement liés, à souligner Alok Sharma, le président de la COP26. Assurer l'éducation des filles sera crucial, dit-il, pour leur donner les moyens d'agir. Au moins 4 millions de filles ne termineront pas leurs études à cause des crises liées au climat. Et c'est seulement cette année, que cette année. Donc l'égalité ne peut pas être une victime du climat, et cela signifie que nous avons besoin d'actes, pas de paroles. Nous avons besoin d'une action sur le genre dans l'ensemble de notre travail pour réduire les émissions, protéger les communautés et renforcer la résilience. Pour la COP26, l'heure est venue de concrétiser les promesses des dirigeants politiques. À Glasgow, une délégation du Congrès américain se fait prendre en photo, une manière de souligner que les États-Unis sont de retour. En coulisses, on parle de financer la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays les plus riches et les habitants de ces pays ont contribué bien plus que quiconque à la crise climatique. Ils doivent respecter leur engagement qui est de 100 milliards et qui n'est pas tenu pour le moment. Des engagements pour la planète qui prennent l'eau, pour ces militants qui ont revêtu le costume des dirigeants mondiaux. La fonte des glaces dans les régions les plus froides de la planète a des effets potentiels dévastateurs pour des millions de personnes vivant dans les zones côtières et sur de nombreuses îles, comme les Tuvalu. La priorité actuellement est de rehausser nos îles. Il y a des projets qui sont en cours dans les Tuvalu. Nous pensons qu'il existe des technologies pour sauver nos îles et c'est une priorité pour nous. Environ 12 000 habitants peuplent les Tuvalu, un archipel composé de 9 atolls en plein océan Pacifique. Le point culminant et à seulement 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube et notre application mobile, Ecclesia TV, Côte d'Ivoire.